Et salut à tous, c'est Tito Coflet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, vidéo siège contre AF Legend ou Zax Crow Club. J'ai plutôt envie de vous dire contre Zax Crow Club, gros 1v1 en vue pour l'instant. En tout cas, j'espère que cette vidéo te plaira. Si c'est le cas, bien n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et nous, on est parti directement avec les premières offenses. Bon, du coup, offense numéro 1, on est contre une Carcano, Odin, Adriana. Et on va y aller avec une Miang, Sonia, Adriana. Donc ça, c'est simple. Je pense que même si Inuzo Speed, il sera pas speedtuné et on aura suffisamment de dégâts pour tuer le Odin. Même si il est à buff speed, on a ruiné du coup Adriana en 7 swift très rapide, la Sonia assez rapide aussi, avec comme artefact à gauche, à droite, attaque increase effect au cas où si c'est Odin attrape, et Miang un swift très rapide avec du multi à gauche à droite. Donc objectif tuer Odin en premier, puis on ira sur Carcano et on terminera par Adriana. Objectif cleave. Ok, bon, potentiellement c'est anti-cleave. Est-ce que ça tank? Non, pas du tout. Du coup, on peut aller tuer directement. Et là, maintenant, on va directement aller sur Carcano. On est plutôt bien. On va taper, hein, tranquille. Voilà. On va faire le skill 3, je pense, ici. De toute façon, la Sonia est vouée à mourir. Pas de soucis. Elle a fait son taf. Et on va juste tuer ça. Faire skill 2. Hop, on va tuer. Et maintenant, on devrait plus perdre normalement le 2v1, forcément. On va faire ça pour exonérer les buffs. Bon, potentiellement, on aurait voulu avoir un peu de destroy. Hein. J'avoue que ça peut être long. Allez, offense suivante, on va la Mirinae très rapidement, c'est une Vritrae, Shir, Siri Dark. On doit y aller assez vite, du coup, voilà la Mirinae. Voici pour le Théon, avec du speed up effect à gauche, à droite, et Lucian, dégâts sur Dark, à gauche et à droite, tout ce qui augmente les dégâts sur skill 3. Objectif, cleave. Du coup, on joue premier. Hop, on donne le tour directement à notre Lucian, qui va pouvoir faire skill 3. Finalement, on devrait tout tuer. Très très bien. Allez, offense numéro 3, Destiny, Byung-Chul, le Tessarion. On va y aller avec une offense broken. Chandra, Riley, Cassandra, Feu. Chandra, René en Swift, qui joue premier avec à gauche, réduction, vent, à droite, accuracy, skill 3. On l'a mis en crit damage pour tester un petit peu la mise à jour après le BP. La Riley, double wheel, shield, Sandraise, avec réduction, feu à gauche, à droite, on a mis de la recovery, skill 3. Et Cassandra, Feu, Swift wheel, full locker, donc tout ça speed tuné avec le Chandra. Et dégâts sur feu à gauche, à droite, crit damage, skill 2. Objectif tuer la Destiny en première, puis on temporise. On a le double wheel ici pour assurer un petit peu le T2 et pas se faire CC, break dev par Tessarion, bref, de faire one shot. Et on récupère très vite nos CD pour aller tuer le Tessarion puis le Byung-Chul. Objectif, cleave. Du coup, forcément, on joue premier, on va mettre le câlin sur le champ de la Federica. On va skill 3, ça va boost à TB. On va mettre le buff attaque. Et là, on va pouvoir one shot la Destiny, hop, directement. Et maintenant, on a juste à récupérer nos CD. On a temporisé. On va aller là-dessus, je pense, tenter les stuns, faire skill 2. Là, il faut juste qu'on récupère nos CD pour aller tuer tour prochain. J'imagine le Tessarion. Sortez de stun là, on n'y arrive pas. Après, le Byung-Chul fait pas grand chose, du coup, ça va. Hop, on prend les dégâts, c'est pas un souci, on va faire skill 3. Normalement, on peut tuer le Tessarion. Voilà, et puis bah, là, on a le Kala, on cycle trop. Il ne reste plus qu'à aller sur ce Byung-Chul. Une offense bah, méga safe, hein, on va de vrai. Super cleave. Skill 2, on va se faire stun. Il faudra qu'il met pas de dégâts en fait, au final. Bon, allez, offense numéro 4, offense fun. On est contre une Fermion, Byung-Chul, Brita. Beaucoup de chances de se faire Luxac, mais vous inquiétez pas, on va essayer de le faire avec Frigate. Hein. Frigate qui se fait buff, on va voir ce que ça donne. Vieux wheel, dégâts des bombes à gauche à droite. Petite Janna en swift wheel avec à gauche à droite du multit. Insira, vieux wheel, pas de tocrit, dégâts des bombes à gauche et à droite. On bombe, bombe partie, c'est parti. Alors, du coup, il manque de wheel à certains endroits. Je pense que j'ai envie de mettre une bombe sur. Byung-Chul, c'est quoi? Ah, ok. Bon, je l'ai raté. Ok.
Chloé met une bombe sur Byung-Chul. Ok, par contre, attends, problème. Fermion devait jouer avant. Ça, c'est un vrai problème, par contre. Ouais, c'est embêtant, ça. Bon, du coup, on va faire skill 3, je pense, pour cycler. Ouais, regarde, on reprend un tour. Non, ok, non, ok, non. Ah, mais, what? Wow, chill, bro. Oh, je rate ma bombe. Oh là 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 là. Là, tu crois pas, c'est foutu, hein. Ah bah là, oh là 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 là, les bombes les gars, bah j'ai raté toutes mes bombes, bah, je suis mort, il y a encore proc, allez quoi, ouais il faut réussir sun, proc violent, on rate récent, 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 non mais les gars en vrai ça abusait quand même, qu'est-ce qui se passe là? Ah, bah comment je peux pas gagner? Capé à cul, hein. Je suis capé à cul, les gars. J'ai pété un plomb là, vraiment. Hein. Après, ça, truc de fou, non? Ok. Allez, mets les bombes. Ok. Ok, 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 ok. On fait juste ça, Osef. Ok. Alors, fais-moi le malin là, avec toutes ces bombes sur la tête, hein? Hein? Regarde-moi ça là, hop là, ça s'accumule. T'en veux encore une toi? Allez, je t'en mets une. Allez, boum. Oufti. OP easy. Allez, en force numéro 5, Zeratu Liume Chandra, c'est la dev de Adri. Je veux pas perdre contre Adri, les gars. Si je perds contre Adri, je sens qu'il va me ricaner dessus pendant au moins une heure. Du coup, Kinky Windy Seme, on va essayer de passer avec ça. Kinky Konami Envio Destroy avec des multi-tags au Chandra. T'as vu comment on est rapide pour prendre des tours? Il y a quand même le slow de Chandra. Nemesis Will Endure pour la Seme Sandrez. À gauche, je mets une réduction d'arc. À droite, j'ai mis de la speed en fonction d'HP perdu. Et Windy, Vio Destroy, multi-tag gauche à droite. Focus sur, je pense, Zeratu. Après il sustain maintenant, du coup j'ai mis du destroy sur deux mobs pour essayer de tuer le plus vite possible. Et puis après on ira sur Liume, on terminera par Chandra. C'est vrai que j'ai pas pensé mais Chandra maintenant il s'est fait buff. En fait dans cette def il y a deux mobs qui sont fait buff. Il y a Chandra, déjà je joue speed, c'est autre santé cleave. Il y a Chandra et Zeratu. J'ai pas pensé mais en fait le Chandra il peut arracher mon mob maintenant. Oh non j'ai pas pensé à ça les gars. Oh oh. Ok tu sais quoi? Le Chandra me terrifie, je vais aller de suite dessus. Je veux juste tuer ce truc-là de suite. Je vais sur le Chandra. J'ai trop peur. J'ai trop peur de lui. J'ai pas pensé à ça. Ok, en fait on tue, on prend trop de tours. Trop bien. Et maintenant on peut aller tranquillement sur... sur qui? Zeratu? Ou bien on va sur la Seme? La Liume plutôt. En vrai, je vais aller sur Zeratu. J'ai pas envie qu'elle me révèle, mettre plein de trucs, tu sais quoi. Je vais aller directement sur Zeratu. Ok, nickel. Et là, normalement, on est fine. Bien, normalement. D'ailleurs, elle a pas fait de spell 3 de la partie. Elle s'en est chill une petite. Allez, offense numéro 6, on est contre une Vritraeshir et Siri Dark. On va y aller avec une Shaman, Delphoi et Jultan, donc deux cleans et deux mobs assez tanky qui tankeront bien cette Siri Dark et ce Vritra. Le Shaman est runé en bio-wheel, il manque un peu de taux crit, hein, pas grave. Dégâts sur Dark à gauche, à droite on a mis deux crit des Meskill 2. On a Jultan, triple revenge, à gauche réduction light, à droite un peu de reflect damage, et une Delphoi, Ascendrez assez rapide, view wheel, à gauche réduction dark, et à droite on a mis de la recovery skill 3. On veut tuer la série dark en première, puis on ira sur Vritra et on terminera par le Ishir. Alors du coup, on n'a pas le premier tour, très bien. Hop, ça met les slow, tout ça, ok, nous on va faire un skill 3 je pense, juste pour ce cleanse. Là on va juste faire un skill 2 je pense pour qu'il arrête de prendre résistance, dommage. Et vu qu'on a mis le break def là, est-ce que je pourrais aller chercher le stun et tenter le kill là dessus directement? En vrai pourquoi pas. C'est quoi? Ah on stun pas. Mais on va mettre des dégâts. En fait voilà on tue directement, parfait. Voilà, on avait le break def du coup on en a profité. Et là on va mettre le slow, parfait. Et on va aller taper la série du coup. On va mettre le slow aussi. Hop. Parce qu'il a ça sustain. Oh les dégâts.
On peut skill 3. Hop. Et là, on est pas mal. Hein. On est pas mal. Parce qu'il y a là. Hop. On va. En vrai, j'ai envie de faire skill 2 ici. Ich, 41 000. Oh, les dégâts, insane. Au force numéro 7, Siridar Vritraeshir, on va y aller avec une Windy Raccoon Kinky, pas super safe, mais vas-y, j'ai envie de la tenter. Kinky Conarine Envioso, le Setsu qui peut être utile maintenant sur le coup. Multit à gauche à droite, le Windy Envio Destroy, Multit à gauche à droite, et enfin Raccoonie, Vionem, Sandraise, avec à gauche Réduction d'Arc et à droite Recovery Skill 3. Je pense qu'on n'aura pas trop le choix, on va devoir tuer Vritra au premier, mais on aimerait dans l'idée tuer Siri en première. Alors, bah oui, du coup, notre speed, ouais, en fait, mon Raccoon est trop rapide, j'aurais pas dû faire ça. J'ai trollé. En vrai, j'ai trollé. Ah ouais, mais attends, mais c'est hors t'éclive, en fait, non? Je speed avec tout le monde. Oh, fort d'espère. Bah, c'est lose. Là, si je prends... C'est chaud, là, non? Oh là 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 là, c'est compliqué. Ok, on met le slow. Ok, le focus est là-dessus. Sans d'espère. En vrai, le d'espère, c'est un peu embêtant, quand même. Hein. On va taper là, directement. Le slow, vu qu'il est en desper, ça peut aider. On va faire skill 2 pour se donner le tour ici, pour faire skill 2 pour cycler. Voilà. On prend tellement cher. On prend pas le Setsu pour l'instant, malheureusement. On va y taper là, on n'a pas le choix. Bon, bon petit proc, ça c'est insane, parce que du coup on peut tuer avec un skill 1 sans faire le skill 2. Ok, nice. On a un Setsu. On a cette saut, oh, son saut. Ah voilà. Bon après sur lui, c'est pas proc Vio. Hop, on va faire skill 2. Et normalement on est pas mal, il n'y a pas de destroy en face, du coup on gagnera la guerre du destroy au bout d'un moment si jamais le combat perdure. Faire skill 2 pour mettre des dégâts, hop. Laissez de saut, regarde, il peut plus nous stun d'espère du coup. Ça c'est insane, voilà. Insane, broken. On va faire ça. On va taper là, il peut pas nous d'esper, il peut pas nous saut, du coup. Pas nous saut, pardon, il peut pas nous stun d'esper. Et cette saut qui est pas si mal que ça en soi ici, hein, honnêtement. Voilà, il peut pas nous d'esper stun. Là maintenant il peut. On va tuer ça, on assure le coup. Et maintenant, normalement c'est GG. Allez, force numéro 8, on met contre une Byung-Chul Nana Zeratu, on va juste la cleave avec une Tiana CP, Galion, en vrai de vrai. Galion, Envio, avec à gauche des Yasur Dark à droite, crit des skill 2, on a quelques subs, tout crit pas grand chose, une Tiana Swift, on a de plus rapide, on a mis à gauche des Yasur sur vent, et à droite on a mis du crit des skill 2, et enfin on a un shampoing en Swift. Ok, il manque auto crit pour le fun, multit à gauche à droite. Objectif, cleave. Allez du coup, on joue premier, hop. Faut pas qu'on rate le break death, ce serait cool. On rate le break death, c'est pas cool. Embêtant ça quand même, parce que le Zeratu, on voulait potentiellement le tuer deux fois. Et là, bah, on n'a pas du tout les dégâts pour tuer quoi que ce soit. Ouf, oui, mais même ça, en fait, j'ai pas les dégâts. Mais non, mais je troll, en fait. Je troll. Est-ce qu'il a un, j'imagine? Il a deux. Ah, c'est mort, là, non? Oh, wait. Non, on va servir Byung-Chul, là. Byung-Chul va nous solo, je pense. En vrai de vrai, sauf si derp. Il a la speed en fonction d'HP perdu ou quoi? Oh! What? Les dégâts qu'il met ce truc. Une folie, hein. Oh oh oh! Oh, ok. Non, en fait, c'est safe, les gars. Non, je vous jure, c'est safe. À reproduire chez vous, hein. C'est super safe. Allez, offense numéro 9, on est contre une Kraka, Byung-Chul, Théomars, et on va y aller avec une offense qui est pas mal, mais je pense pas qu'elle soit safe contre cette défense à 100%. Je me dis qu'on peut perdre beaucoup de temporisation si le Tessarion n'arrive pas à tuer très vite la Kraka et qu'on se fait sortir sous les procs violents très vite à un mob. Mais bon, avec le Egang, normalement, on est quand même pas mal. Dès qu'il y a un strip, ça va nous donner en fait un cleanse. Donc le break death, on a peu de chances de se le manger. Tessarion qu'on a ruiné en bio-wheel, en tocrit assez tanky. Crit damage en fonction de mauvais état à gauche, à droite. Hacker c'est skill 3. Aegang plutôt tanky en Desper Wheel avec à gauche réduction de vent, à droite Hacker c'est skill 2. Et la Riley en Vio Wheel avec à gauche réduction de vent et à droite recovery skill 3. Allez, c'est parti. Alors, sans t'éclive, hein, forcément. Forcément, mais embêtant du coup. On va faire le skill 3. On va faire le skill 2 du coup. Mode de Desper Stone. Ouh, parfait, hein. Et je vais faire ça.
Je vais mettre le break def là-dessus, directement. Voilà. Donc là, il va me strip. Il me strip pas. Ok, très bien. On va faire le skill 2. On va pas faire le skill 4, on va le garder, on va juste faire ce qu'il a là. Alors, on n'est pas skill up sur la Riley, du coup, les procs violents sont la bienvenue. Putain, bah vas-y, du coup, je peux le faire. Hein. Et B, on va taper là, on va aller tuer ça directement. Bon, on a mis crit, pas de chance. On va faire le skill 2 ici. En fait, comme c'est anti-cleave, on prend anti-cleave ou anti-léo. On prend en fait beaucoup de tours. Alors, on est capé à Q là quand même. On va faire ça. Là, c'est le moment où potentiellement le. On prend tous les tours. Le Théomars peut être gênant. Du coup, le Glancing, si on peut le mettre, c'est cool. Voilà. Parfait. Alors, on va remettre l'Oblivion là. Hop. On va faire skill 4. Et non, je vais taper continuer là-dessus. C'est le plus important. Faire skill 2. Et on va aller taper ici à droite. Essayer de tuer le plus vite possible ce Byung-Chul. Pas mal de résistance à ma vie, la Sandraise, mais bon, on a quand même de l'accuracy. Je suis étonné qu'on rate autant de trucs. Vraiment. Oh, ça fait mal, hein. Oh, les dégâts qu'il met. C'est vraiment n'importe quoi, ce mob. Hop. On va tuer. Et normalement, maintenant, on est fine. On ne devrait pas perdre ça. Dixième dernière offense, Frigate, Kinky, Lenoa, bon c'est une death for fun. On va partir sur une Windy Tetra Veromos pour assurer le coup. A noter quelque chose d'important, c'est que maintenant Kinky peut potentiellement gérer les AVA contre Windy puisque Windy ne se shield plus lui-même. Donc à voir comment ça se passe, mais c'est vrai que maintenant Windy aura plus de mal contre les Kinky. Donc peut-être un retour des Kinky dans la méta, on verra bien. Veromos en Vio Nemesis, à gauche réduction light, à droite recovery skill 3. Pareil pour la Tetra, Vio Nem, Duke Light, Recovery Skill 3 et Windy, Vio Destroy, Multit à gauche à droite. Alors du coup c'est parti, je pense qu'on va tuer Eleno en premier, puis on ira sur Frigate, on terminera par ce Kinky. Bon bah on a le premier tour, faire Skill 2, on va taper Frigate c'est quoi. Go de suite dessus. Je vais faire un skill 1, voilà. Une compo for fun hein. En face, en vrai de vrai c'est pas vraiment tryhard. Je joue des mobs un petit peu nuls. Par contre, Frigate en siège, j'aimerais que ça devienne pas mal. C'est les noix qui est pas ouf. Faire skill 2. Hop, mes petits stuns. On va tuer ça direct. Maintenant, on va aller sur les noix. Il ne restera plus que le Kinky. Tranquillement. Et on va les taper direct. Regarde, pour montrer les revenge. Tu vois, on prend pas le shield. Embêtant quand même. Hein. Ok, les procs, super. Ok, les procs, incroyable. Je veux vraiment pas qu'on perde. Allez, fin du siège pour nous. 10 sur 10, ça fait plaisir. Bon, le 10 sur 10 était offert par la dernière offense. On passe mytho. Je me suis bien amusé, super siège, bien fun. Bon, gros AV1, mais au moins, tu vois, ça me remet un peu dans le bain pour jouer contre des defs méta. Merci à Zacro Club et à FLegend pour le siège. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu et tout sur les potes. C'était Tito.